Bonjour tout le monde. Bon, on va passer à la découpe de notre petite bestiole. Alors, j'ai 40 places disponibles ici pour essayer de ne pas être débordé en place, puisqu'on a quand même 84 corps à découper. On a trois types de bestioles. On a des méga scarabées, et les méga scarabées, ils nous amènent 23 de viande. Mais ils prennent une place, d'accord? 23 de viande. Donc on peut découper presque 4 de ces bestioles-là pour remplir une seule place. Ensuite, vous avez des spélopèdes qui, eux, amènent 68 de viande, donc un petit peu moins que les 75 d'une case. Et enfin, nous avons les grosses bestioles, les mégaraignées. Qui elle amène 108, donc plus que la place qu'ils ne prennent. C'est pour ça que j'ai ici créé trois tâches, en commençant par le méga scarabée, le spélopède, et on finit par les mégaraignées. Voilà, vous saurez tout. Je pense que ce n'est pas un mauvais système. Ensuite, on sait qu'on a beaucoup trop maintenant de nourriture, hein. On a 7 400 de riz, donc je vais stopper le riz ici. Enfin, quand il sera terminé, on va stopper le riz et on va refaire du tissu. Beaucoup de tissu. OK? Ce qui va nous permettre de pouvoir. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai demandé à créer ici un établi de tissage manuel dans la chaleur, bien entendu, comme d'habitude. Et Maker nous fera comme ça. Alors j'ai calculé le meilleur rapport ingrédients vêtements, c'est le chapeau melon. Le chapeau melon me rapporte 9 euros par 5 tissus, par 5 ingrédients. D'accord? 9 par 5. Je ne parle pas ici du rapport argent ingrédient travail. Je ne parle que du rapport ingrédient prix ingrédient. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que Maker me fasse du travail d'artisanat, et la couture est de l'artisanat, bien entendu. Et donc, il va me porter ça, ben vas-y mec, ça tombe bien, il est tout à fait capable de faire ça. Alors, tu vas aller me rapporter, j'ai ceci. Ok, ben c'est Maker qui va faire ça aussi. Tu vas apporter ça, comme ça il est dehors, il fait trop chaud, et il sera dans le noir. Et tout pour diminuer la vitesse de ce truc ici. Bon, est-ce que nos personnages sont bien tous bien guéris? Ok, c'est toujours son bras droit. Sky a été soigné complètement. Ok, donc c'est vraiment des petites choses, hein. On n'a pas eu de tonnes, hein, de dégâts. En tout cas, on sait que notre système fonctionne bien avec 80. Je vais dire avec 160, ça deviendrait un petit peu plus difficile. Par contre, j'ai remarqué une chose. D'abord, il va falloir remplacer ceci. Donc, il va falloir miner et miner également 295, 209. Et si je mets un mur, le mur c'est 300 et quelques, hein, 390. Donc, on va effectivement miner les deux parties ici. Parce qu'elles vont se faire, elles risquent de se faire bouffer la prochaine fois. Ensuite, je pense, j'ai remarqué que nos fusils à pompe et nos mitrailleuses lourdes aiment bien. Tu fais quoi, toi? Tu transportes? Ok, méga scarabée. Ils aiment bien tirer un petit peu plus en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont une meilleure précision plus loin en arrière. Mais moi, je souhaiterais qu'ils tirent vraiment sur les mecs qui sont au plus devant possible. Pour ça, on va mettre on va positionner
Je vais essayer, hein, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va mettre un mur en ardoise, non pas ici bien entendu, mais on pourrait le mettre ici. Ce qui permettra à nos tireurs de tirer beaucoup moins loin. D'un autre côté, si je veux mettre des grenades pour mettre feu, il vaut peut-être mieux que je mette ici. Vous voyez? Comme ça, je pourrais quand même lancer mes grenades à travers sans me mettre le feu chez moi. On va le faire comme ça, en tout cas. On va essayer ça. On va essayer ça. On verra bien ce que ça donne. Alors, on va faire ce que j'ai besoin de faire ici. Établi de tissage, celui-ci ne va être que du chapeau melon. Donc, le chapeau melon, si vous regardez bien, 20 ingrédients pour 30. Donc, ça veut dire par 5 ingrédients. Donc je divise par 4, ça me fait 9 euros. Et j'ai regardé, c'est à peu près le truc le plus rentable. Il y a un petit peu plus rentable, mais qui demande un peu plus de travail quand même. Ça serait le parka, je crois. Mais pour 2-3 euros de différence sur 5 fois ça, quoi, hein, sur 4 fois ceci. Et donc je préfère le chapeau melon parce qu'il n'y en a que 20. Donc ici, on va lui demander d'en faire 20. Par exemple, j'efface tout, bien entendu, je veux tout en tissu, puisque ça, on l'a assez facilement, et on ne veut que Maker, bien entendu, où est Maker? Il est ici. Comme ça, je suis certain d'avoir tout le temps mon bonhomme au bon endroit. Il y a toujours du chapeau melon ici aussi, bien sûr. Mais il est bloqué hein, par rapport à ce qu'on a véritablement besoin. Voilà. Vous saurez tout. Alors, il faudrait que... Bon, ici, ça commence à être bien rempli aussi. Alors, quelle est la température dehors? On est en plein juillet-août, 64 degrés, ok. Donc là, on est toujours bon, on cultive. Oh, petite naissance, dromadaire 4. Alors, c'est quoi, Staman? Ok. Ici, j'ai combien de mâles? 19 jours. Celui-ci est toujours bon, ok. On continue comme on est là, hein. Pas de problème. Désinstaller ça après alors. Alors mes animaux vont commencer à avoir faim. On dirait. Jusque-là, ça va. Mais bon, bientôt ils n'auront plus la place pour me prendre des petites bestioles. Donc je voudrais avoir du coton. Ouh, petite erreur. Bien entendu, ici ça ne va pas être du coton, ça reste du smoke leaf. Bien entendu. D'accord.
C'est un peu dangereux quand vous faites pas assez attention, on se fait bêtement avoir. Voyez? C'est un peu con ça. Hein? Ok, je pense qu'on est bon là. On devrait être parti. Alors, j'ai besoin. Sky, complètement guéri. Alors, Sky, est-ce que tu as été blessé ou pas Est-ce que tu as des séquelles? Non, tu n'as aucune séquelle. Lachi n'a aucune séquelle non plus. Ok. Ok, on commence à gagner un peu de jus. Ok, Decker est occupé de nous faire les petits, ce qui va libérer un peu de place. J'ai bien entendu ici aussi demandé, d'ailleurs on va l'activer, qu'on fasse également bien sûr ceci. Le camp fuel avec de la viande d'animaux, d'insectes bien sûr. On va un petit peu surveiller ici. On est à s'agrandir, ok, c'est parfait. Hein. Ensuite, on a celui-ci qu'on peut désinstaller aussi. On va demander à Vache de transporter et à Rimen de transporter aussi. Voilà, tous les deux. Mais quoi? Transportez-le parce que s'il reste là, il me gêne et les autres ne peuvent pas y aller. C'est ça le mon petit problème. Ok, les animaux, ils vont avoir faim. Donc, il est plus que temps. Qui est-ce qui fait à manger dans mon histoire? Ben, c'est Grizzly. C'est parfait. C'est Grizzly. Ben, c'est Grizzly, c'est Allo, c'est. Il y en a plusieurs qui font ça, hein, bien sûr. Alors, j'aurais voulu voir de nouveau. Je sais plus ce que ça donne. Je crois que ça doit être de la cuisine que ça donne ça. On va regarder. 1690. Bud. On voit qu'il n'a pas grand chose en plus. Oui, c'est lent, hein. Quand on n'a pas de qualité. Voilà, 1932. 1690 à 1932. Donc ça fait 242. Ça fait 80 joints à peu près, 80 par joint. Comptez ça. Ok, les animaux. Il faut à manger les gars. Vas-y des cœurs, fais de la viande. Et voilà, tout ça c'est parfait, 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 bien.
L'autre il bouffe là, bah vas-y, on s'en fout un petit peu. Ça, on va le redésinstaller. Pense qu'on est au max, on est au maximum. On peut redémarrer. Maker est occupé, bien entendu, je suppose. Tu fais des relaxations. Alors, qu'est-ce que nous avons de nouveau? Un chef-d'œuvre pour le show. Mais c'est bien, mon garçon. Ça, on avait vu, on avait tout ce qu'il fallait. Fermer, c'est ça que je veux faire, merci. Donc ça, c'est fini. Je peux normalement le terminer. Oui, on a fait un clavecin, si je me rappelle bien. Alors, où est ce clavecin? Et on va continuer à regarder notre ami. Ici, il continue à me faire des sculptures. Le clavecin. Où est le clavecin? Bonne question. Très bonne question. Le voilà. Un joli petit clavecin. Alors, on va te mettre où, mon ami? On pourrait te mettre ici. Et on pourrait te mettre ici aussi. On va enlever ça. On va prendre le clavecin pour l'instant et on va le déposer ici. Il sera parfait. Avec un siège, bien entendu. Voilà un. Mais je préférerais un autre que celui-là. T'en as pas d'autre? Si, j'en ai un autre ici. Ah, ils sont tous les deux excellents. Ok. Suis obligé de le refaire. Je ne vois pas très bien où on met le. Donc, c'est là. Juste là, sur le côté. Là qui doit être. Ensuite, on peut remettre un bidule comme ceci. Oui, bien là. Hein. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'on en est? Ah, on peut mettre Ah, c'est intéressant ça. Donc on va dire ici que ça serait Monsieur Le Chauve. 5-3 seulement là. Ah. Et ici j'ai 8-1. D'accord. Donc ici on va dire que c'est Chauve. Pourquoi pas. Voilà. Tandis que les libellules là sont trop de méditation. Ok. Il me faut de la bouffe, monsieur Grisny. Madame Grisny, excusez-moi. Pardon. Merci, madame Grisny.
on va dire, de déposer au sol, je crois, ici. Hein. Déposer au sol, ok. Ici, c'est déposer au sol aussi. Ok. Voilà, ils font dodo, mes petits enfants. Hein. Alors, il fait bon, il fait super bon partout. Il fait super bon partout. À l'extérieur, il fait maintenant 67 quand même. Il fait moins 5. Plantation. Non, pantalon, plantation. Ok, ici. Ça va, ça pousse toujours. Ah, il refaut des murs. Alors, je voudrais me faire ici, pas un mur en ardoise, est-ce que je saurais me faire un mur en granit? Est-ce que j'ai assez de granit? 5 et 5. Je crois que j'ai assez de granit. On a eu la chance d'en recevoir. Voilà, le granit est beaucoup plus costaud. Parfait. Le petit anon, toujours pas, non. Ok, on a toujours 7400 de bouffe, c'est énorme. Ah, on a pu remplir un petit peu ici aussi, alors je vois. Eh bien, rien de spécial, anarchiste, il va se promener, il a encore tout ça de bouffe aussi, hein, toute la gelée royale, ah non, la gelée royale c'est des insectes, oui, ah, voilà une ruche qui vient nous tomber sur le nez. Et ils attaquent immédiatement, bien entendu, juste au-dessus de vous. Ok. Les animaux. Les colons. Alors, on voit que ça va nous... Je crois que ça va nous tomber dessus là, non? C'est pas... Bon, tout le monde au casque. Alors, casque master. Où est mon casque master? Casque. Sky. Casque master. Noir et Lucky, Lachy, dites les petits gars, donnez-moi un prénom, un nom, hein, parce que moi, Lachy, là, ça me va pas. Hein. Donc, ça serait sympa que vous me disiez qui est-ce que vous voulez, hein. Petit castor, si vous voulez, hein. Ou un autre nom, je
je serai ravi de le mettre. Pouf, forcé ici. Ensuite, le chauve, non, d'équerre. D'équerre, un casque. Ouais, libellule. Un casque. Bam. Anarchiste. Allô. Maker. Bon, là, je commence à ne plus en avoir, on verrait. Ouais, si, il y en a encore. Bud. Là derrière, peut-être. Non. Ouais, je vois plus que ça. Hein. J'en ai pas assez. Ok. Ensuite. Bon, là, c'est fini cette fois-ci, il n'y a plus. Il n'y a plus. On a besoin maintenant. Ça, c'est du fumigène. Ouais, j'ai Grizzly qui va en plus prendre ça. Ensuite, on a également Sky qui va en plus prendre. Celui-là et Lachi qui va prendre en plus. Où est-ce qu'il est l'autre? Il est là-bas. Voilà. Ah, qui est-ce qui est bon, moins bon là-dedans? Rimem, tu tires à 4,83, Bud 4,45. On a du 7, on a du 4, on a du 8, on a du 5, on a du 4 aussi et c'est tout. Donc il faudrait quelqu'un avec du 4, comme Rimen par exemple. Rimen, tu as quoi? Tiens, mitrailleur lourd, excellent, on va chercher quelque chose de moins bien. Voilà, toi tu vas te prendre ceci. Voilà. Ensuite, on va en profiter pour fermer les portes. Et voilà. Cette petite merde là qui me tombe dessus. Ah. Ouais, bah on devrait y arriver, hein. Ok. Qui est-ce qui est prêt? Que Grizzly est-il prêt? Non. Est-il prêt? Non. Non. Il est prêt. Alors, quelles sont les portes fermées?
bam. Tu viens ici. Ma vache. Bad. Et même. La qui n'est pas prête et Lisa, tu es prête. On va diminuer bien entendu la vitesse. Alors on a quoi? Ça, c'est du tireur. On a du tireur, du tireur, du tireur. Ok. Donc 3 bêtement 6. Qui viennent m'embêter. Ils vont me péter les trucs, hein, mais. Tu m'as déjà pété quelque chose en plus. On dirait, hein, si j'ai. Ah non, ça c'est eux, ça. Alors. Bon, qui est prêt? Maker. Bellule. Bam. Sky. La chute est encore occupée, hein. On va les faire bouger un peu. Gizzy, Sky, Nashi. Allô, tu me fais quoi? Tu surveilles les cibles. Ok. 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 On va les faire bouger. Et toi, tu peux pas tirer là-dessus? Bizarre, hein?
Donc, toi, une fois que tu as fini, tu viendras là. Lily, une fois que tu as fini, tu viendras ici. Et Sky, tu viendras ici. Ça, ça reste ouvert. Attaque anarchiste au corps à corps. Attaque anarchiste. Anarchiste, il revient ici. Voilà. Tu attaques anarchiste. Est-ce que tu peux toucher anarchiste? Tu peux toucher anarchiste. Donc anarchiste. Toi, là, tu sais rien faire, mec. Donc, toi, tu attaques. Toi, tu attaques. Anarchiste. 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 Toi, par contre, tu attaques l'éolienne. Ok. Alors, normalement, maintenant, vous allez m'attaquer. Dan, anarchiste, c'est bon. Dan, non, c'est l'éolienne. Oh. J au sol. Visez-moi ça. Il s'est pris combien là? 30 points dans le nez. Le lanceur a tiré. Le lanceur a envoyé un projectile sur Dan avec le large charge. Et ça a transpercé le bassin et le torse. Oh l'enfoiré! Oh la vache! Ok. Ça c'est méchant, hein? Est-ce qu'il y a des gens? Jean, il va venir ici. Déjà. Donc, on va demander à Maker de. À Lachi plutôt. De secourir. Stop, tu le lâches. Et tu reviens ici. Grizzly est au bon endroit. Et nous avons Sky. Qui est là et qui attend son copain. Ok. Dan, tu vas secourir. Et Jean, où es-tu? Non, ben Jean, tu vas y aller plutôt, directement. Voilà. La vache, un coup quoi. Boum. Transpercé 2x30 dans le nez. Quoi. Prou. Vache. Ha. Donc, on va venir ici au milieu. On va maintenir ouvert ici. Et tu reviens. Tu peux attaquer un lancier. Et
Toi, tu attaques un bassin. Toi, tu es un faucheur. Le bleu là-bas. Tu attaques Sky. Eh bien, je crois qu'on va devoir aller se buter. Donc, toi, t'es quoi? T'es un faucheur. Hein? Ouais, toi, tu viens là. Sky. Tu viens buter celui-ci. Et Grizzly, tu viens buter celui-ci. Enfin, une deuxième ruche qui vient m'attaquer. Le courant, comment est-il le courant? Ah, ça change tout ça, hein? Bon, tu viens. Il dit, tu reviens ici. Alaki. Tu reviens ici. Et Sky. Tu reviens ici. Qui est-ce qui a tiré ça? Qui est-ce qui a tiré là? Qui est-ce qui me dit pas qu'il y a des... Je me suis fait avoir moi-même? Quel est le con qui est... c'est pas Rimmen, c'est pas Bud. Bud, elle veut venir... Où est-ce qu'elle peut venir? Voilà, elle va venir là, hein, même tant qu'elle y est. Toi, t'es là. Maker, t'es là. Allô? C'est toi qui as été me faire l'imbécile. Non. Où est-ce que tu peux tirer? Tu peux tirer par ici, toi. Voilà. Mais pas sur moi, hein. Faut arrêter de me tirer dessus, hein. Voilà, comme ça. A été touché une seule fois. Une seule fois. Ok. Anachi, tu vas... Bah. Anachi, tu restes bien là. Là, si tu reviens là, ma biche. Le chauve, ok.
Ça marche pas trop mon truc, hein. Bon, commençons, mais... Est-ce qu'ils ont encore... Bouclier d'énergie est à zéro. Bouclier d'énergie est à zéro. Bouclier d'énergie est à zéro. Vous m'avez tout pété, hein, les gars. Encore mort, quoi. Voilà. Ok, mon petit grizzly, viens de péter ce truc. Lâchi, viens de péter celui-ci. Toi, tu viens ici. Anarchiste, tu viens là-bas. Vache, tu vas aller soigner. Tu vas faire ceci. Vache, tu vas venir le soigner, toi. Alors, qui est-ce qui tire? Qui est-ce qui tire avec le bas? Comment tu peux pas leur tirer dessus? Comment ça tu peux pas leur tirer dessus? Anarchiste, t'es trop court, d'accord.
Sky a encore réussi à se faire toucher, c'est génial. Pauvre Sky, elle s'est fait toucher un maximum. Bon, ils n'ont pas été sympas avec moi non plus, hein, quand même, faut dire son truc ici. Hein. Decker, tu vas stopper. Tu vas aller te reposer. Maker, tu vas te reposer. Lisa, tu te reposes. Le chauve. Tu as fini ici. Tu viens, tu vas reposer d'autres. Hein. Viens ici. Ok. Anarchiste. Se faire tirer dessus bêtement. Tous ceux qui sont blessés. Bud, t'es blessé, tu rentres. Lâchis. Pas grand chose. Bud, c'est fait. Lachi, tu peux rentrer. Sky, on te laisse finir. Dan, Decker, t'es blessé aussi. Tu te reposes. Et Grizzly. Ok. Tu te reposes, Sky. Tu te reposes, tout le monde est se repose, sauf toi. Vas-y, t'es fait. Libellule, tu te reposes. Anarchiste, tu te reposes. Allô, tu te reposes. Enfin, vous reposez. Si on peut dire, quoi. Vous allez bouffer, vous allez faire tout ce que vous avez besoin de faire. Et Nashi, pourquoi veux-tu battre en retraite? Il n'y a plus d'ennemis, non? Il n'y a plus d'ennemis, hein. Un, deux, quatre, six, sept, c'est ceux qui sont là-bas, ça c'est... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, voilà. La vache, c'est méchant ça, hein. Deux, double raid à l'intérieur. Double raid à l'intérieur. Bon, mon système n'a pas marché comme je voulais. Tant pis. On fera avec, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi.